6-9 la matinale, matin sport. Sport. Il est 7h17 sur LG Chaîne 3, vous écoutez 6-9 la matinale, on passe au sport. Toutes les disciplines de ce week-end abordées par Ali Hammouj. Bonjour Ali. Bonjour Fatima. On va commencer avec du football et tomber de rideau aujourd'hui sur le championnat de Ligue 2. Ça sera donc la 30e et dernière journée de compétition. Hier, il y a eu un match avancé, celui de l'Olympique de Arbou face à l'IB Khmisrchna, l'Olympique de Arbou qui s'est imposé 3-1. L'Olympique de Arbou qui a déjà acté son accession en Ligue 1. Présentation de cette dernière journée avec Redouane Bendali. Les deux groupes connaîtront une dernière journée à scénario quasi identique puisque toute l'attention sera exclusivement polarisée sur le bas du tableau et la désignation du troisième club qui accompagnera les deux relégués déjà connus que sont l'Olympique de Média et la JS Guerra Badla dans le groupe Centre-Ouest et le Mouloudia Del Alma et le SOL Roslin dans le groupe Centre-Est. Un groupe Centre-Est d'ailleurs où la lutte pour le maintien concernera ainsi quatre clubs, à savoir le Hilal Shel Romlaïd, la SM Lila, l'Olympique Magrane et l'USM Annaba. L'Olympique Magrane et l'USM Annaba semblent les mieux lotis en accueillant respectivement la S Khroub et le SOL Roslin, ce qui rendra la tâche très compliquée pour le Hilal Shel Romlaïd qui ira affronter le Cap Batna ou encore l'ASM Lila qui sera à rude épreuve à Constantine face au MOC. Ces deux concernés par le maintien pourraient en cas de défaite se retrouver côte à côte à l'issue de cette dernière journée et recourir ainsi au goal average. Dans le groupe Centre-Ouest, la situation semble plus embrouillée, avec pas moins de 7 clubs qui sont mathématiquement concernés par la relégation. Les pronostics tendent à laisser croire que le troisième relégué de ce groupe sortira de l'une des deux rencontres que sont celles qui opposera l'Azmo d'Oran au stade Bouaqal avec 34 points et le Wydad de Boufari qui compte 36 points. Et celle qui verra le Nahd Hussein Dey aller à Badla affronter la JS Guir, le RC Arba jouera à Kouba face au RCK et n'est pas pour autant exempt de la descente dans une configuration de probabilité qui reste de mise au moment où ses colocataires de la 10e place avec 35 points, en l'occurrence le MCB Wetzli et le SC Mechelia, joueront à domicile donc avec les faveurs du pronostic. Autrement dit, gare aux vaincus. Il y a également du football féminin et on a disputé les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Il y a eu exactement deux rencontres qui se sont jouées hier. Donc l'ASE Alger Centre qui s'est imposé 3-0 face à l'AR Guelma et le Chevaliadi de Belvizdad qui a battu les Iban de Biskra 1-0 et la jeunesse féminine d'El Khroub qui s'est qualifiée sur tapis vert face à l'Afar Rilizan. Et le choc de ces quarts de finale, le club féminin d'Arbou qui va affronter le CS Constantine, la rencontre qui a été reporté au 21 juin prochain. Handball, la JSE Skikda conforte sa place de leader à l'issue de la 4e journée des play-offs. Ça s'est joué donc hier vendredi au niveau de la salle Harsha. Donc la JSE Skikda qui a battu le HBC Lbière 23-21, lui permettant ainsi de conforter sa place de leader. Sur cette victoire, on va écouter son entraîneur Lkhdar Arouch au micro de Lotfi Benidir. Ça a été vraiment une victoire au forceps, comme on dit. Bon, mais c'est une victoire. Et on accumule donc c'est un 8e point, 8 points on a. Et puis on attend et on voit la suite des résultats de cette journée. Et puis on se prépare pour demain, Inch'Allah, on va avoir un match très très disputé, très âpre avec le Mouloudia de Borjbaalerij. Les trois autres rencontres, le MB Borjbaalerij qui a battu le CR Borjbaalerij 25-23, lui permettant de consolider sa deuxième place. Et l'Olympique Del Oued qui a battu le CRB Mila 32-25. Et enfin, le Ain Touta qui s'est imposé face au Mouloudia de Wet Lila 30-20. Et suite aujourd'hui de la 5e journée de ces playoffs avec 4 matchs au programme. Basketball et coup d'envoi du premier tournoi playoff chez les messieurs Ali. Et le coup d'envoi qui a été
été donné hier au niveau de la salle de Stawali avec 3 rencontres au programme. Et le Wydad de Boufari qui a battu l'USM Alger 85-78, alors que le Nasr Hüsnidey s'est incliné face au Tradraria 91-73. Et dans le choc de cette première journée, le Mouloudia d'Alger a battu le NB Stawali 59-58 d'un seul point. Sur cette victoire, on écoute l'entraîneur du Mouloudia d'Alger, Mouammar Berrich. Il est au micro de Rostom Yahya Chérif. Alhamdulillah, on a travaillé pour, on a passé des moments difficiles depuis le départ. On a un match qui est difficile. Allez, la petite 7 joueurs. On a des joueurs blessés, inchallah, on va récupérer. Bach ne reprend, inchallah. Adla victoire. Ou Adla, il a mis la boîte. Il y avait une folle ambiance au niveau de la salle de Stawali. Stawali, qui est une localité dans le basketball et le sport roi. Et aujourd'hui, suite de des playoffs avec cette deuxième journée, avec 3 matchs, le Mouloudia d'Alger qui affronte le Nasr Hüsnidey, ça sera à 14h. Le Tradraria face au Wydad de Boufarik, ça sera à 16h. Et enfin, à 18h, l'USM Alger qui sera face au NB Stawali. Volleyball, playoffs chez les messieurs également. Il y a 3 équipes qui ont déjà composté leur billet pour le tournoi des As à une journée de la fin du dernier tournoi play-off. Retour sur cette journée avec Nassima Djaout. À l'issue de l'avant-dernière journée du dernier tournoi play-off à Tlemcen, Wled Adouane, l'étoile sportive sétifienne et le Wydad de Tlemcen sont qualifiés au tournoi des As. Wled Adouane, toujours invaincu, leader avec 22 points, s'est imposé face à son dauphin, l'étoile sportive sétifienne, 3-7-2. Sétif conserve la deuxième place avec 18 points. Le Wydad de Tlemcen était dans l'obligation de gagner face à Tejnent pour conserver la troisième place avec 17 points. Tlemcen a battu Tejnent 3-7-0 sur cette victoire. On écoute un entraîneur soulagé, Melk Radji, l'entraîneur du Wydad. On a joué avec une pression terrible ici à Tlemcen. Mais alhamdoulilah, nous assurons notre place parmi les 4 premiers. Et Inch'Allah, ça sera un final. Par ailleurs, le Mouloudia d'Alger s'est imposé face à l'OM Kalmilia 3-7-2. Et donc, le Mouloudia d'Alger occupe la 5e position, juste derrière l'ASV Blida. Blida qui a gagné son match face au Pokchlev 3-7-0. Blida est 4e, mais provisoirement, puisqu'il y aura une journée décisive pour le dernier qui doit accompagner Wled Adouane, Sétif et le Wydad de Tlemcen au tournoi des As. L'équipe de Blida part avec un ballotage favorable, puisqu'elle occupe la 4e place avec 15 points. Et pour que le Mouloudia d'Alger passe au tournoi des As, les Mouloudiens doivent gagner face à l'étoile sétifienne par 3-7-0 ou 3-7-1 et espérer que Blida ne gagne pas face à Mselmoun et que l'OMK Al-Milia perde face à Al-Alma pour que le Mouloudia d'Alger passe au tournoi des As. Au programme de la dernière journée, ce match décisif entre l'étoile sétifienne et le Mouloudia d'Alger, décisif pour le Mouloudia d'Alger, il y aura également changement d'horaire d'ailleurs. Wled Adouane rencontrera Tejnent à 11h et non à 17h. L'OM Kalmilia affrontera l'Alma à 13h et le match Estoril Sétifienne Mouloudia d'Alger est prévu à 15h à la salle Berouana. Alors que à la salle Zaïtri, le Mselmoun affrontera Blida à partir de 13h et Tlemcen rencontrera le Pokchlev à partir de 15h. De Tlemcen, Nassima Djaout pour AGCHIN 3. Et on passe tout de suite à l'athlétisme et rendez-vous aujourd'hui avec la première journée du Sonelgaz Athletics Tour. Donc, ça sera donc la première journée de cette nouvelle compétition. Ça va se dérouler samedi au stade de Sourtenin au niveau de Béjaïa. Présentation de ce Sonelgaz Athletics Tour avec Malik Louahlan. Programme de cette étape de Béjaïa, pas moins de 28 courses et 10 concours, ce qui semble excessivement chargé pour une seule demi-journée de compétition. Et pour avoir plus de détails, nous avons pu contacter le directeur technique national de la Fédération algérienne d'athlétisme, Emine Johari, qui nous parle de ce circuit et la différence entre ce circuit et les journées précédentes. Il y a des journées élites organisées à 100% par la Fédération algérienne d'athlétisme. Donc cette année, on en a fait exactement 12 avec les soirées ramadanesques. Pour les autres, concernant le meeting d'Oran, c'est la Ligue d'Oran qui s'est occupée de l'organisation. Donc nous, on n'a fait que encadrer le staff de la Ligue avec les juges internationaux et nationaux. Concernant le meeting de Médéa, donc c'est la Ligue de Médéa qui s'est occupée de ce meeting, organisé par la Ligue de Médéa. Et pour concernant le Sonelgaz Tour, ça va se dérouler sur 3 phases. Donc la première phase, ça va être à Béjaïa ce samedi. La prochaine, ça sera le 7 juillet. Et bien sûr, la finale, ça sera le 16 juillet aussi. Par ailleurs, nous avons eu la confirmation
confirmation de la présence de Skandar Atmani sur l'épreuve du 200 mètres qui vient de rentrer du Japon où il a été, rappelons-le, double champion du monde du 100 mètres et du 400 mètres des championnats du monde de parathlétisme. Il y aura également la présence de Sabar Bukmush, l'enfant de Bejaia sur 400 mètres haies. Et on vous donne donc rendez-vous ce samedi après-midi pour vous donner tous les résultats de cette journée athlétisme. Et retour au football tout de suite, et ce soir se jouera la finale de la Champions League européenne. Vous avez reconnu bien évidemment l'hymne célèbre de la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, c'est le grand jour, le rendez-vous à ne pas rater à 20h au stade Wembley qui accueillera donc la finale entre le Real Madrid. Le Real Madrid aux 14 titres de la Ligue des Champions qui affrontera donc les Allemands du Borussia Dortmund qui veulent s'offrir leur premier titre de leur histoire, titre européen. Donc c'est une opposition. Ça va être mémorable. Hein, ça va être vraiment mémorable pour les deux, notamment pour le Borussia Dortmund qui s'est raté en finale il y a une dizaine d'années face au Bayern de Munich. Et le Real Madrid qui veut écrire une nouvelle page avec ses jeunes talents. Alors l'image de Jude Bellingham, de Rodrigo, de Vinicius et des vétérans dont Toni Kroos, dont ça sera le dernier match sous les couleurs du Real Madrid. Donc aujourd'hui à 20h. À ne pas rater ce rendez-vous entre le Real Madrid. Et vous êtes plutôt Borussia ou Real, Ali Hamouch? Je suis Borussia, je dirais. D'accord. Pourquoi pour l'exploit. Pourquoi pas, et un premier titre aussi. Hein. C'est ça. Alors, on va terminer avec le chiffre du jour, 20 millions d'euros. À qui appartiennent-ils? Pas encore, ils appartiennent pas encore. Donc, on reste avec la Ligue des Champions. Oui. Ces 20 millions d'euros vont appartenir au vainqueur de la Ligue des Champions, celui qui va soulever le trophée ce soir. Donc, il y aura 15 millions. Déjà, les deux équipes vont bénéficier de 15 millions chacun. Très bien. Le vainqueur aura 5 millions en plus. Il faut savoir un autre chiffre. Le vainqueur pourrait toucher 85,14 millions d'euros en revenus sportifs si on compte tous les matchs depuis l'entame de la Ligue des Champions. Et ça fait une belle cagnotte pour le club vainqueur. Très bien, merci beaucoup Ali Hamouch pour toutes ces informations sportives.